Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur The Company of Heroes 2, la bataille des Ardennes. Et on arrive sur un petit bug dont je vous avais déjà parlé, le problème des points de réquisition. Voilà. Je devrais être à 31, je suis à 500. Donc j'ai commencé à dépenser. Clairement, je commence à en avoir marre de ce bug-là. Surtout qu'il y a une mise à jour qui est apparue récemment qui était dit. Ah, nous avons corrigé ce bug. Corrigé, ouais. On voit, hein. Très bien corrigé en tout cas. Hein. Bon, bah, moi je vais en abuser, hein. Le jeu est bugué, moi j'utilise les bugs. Hein. Ah, j'ai aucun scrupule, honnêtement. Par contre, bon point. Ah non. Ah la mise. Ah le patch n'a pas encore marché. D'accord, sur mes anciennes serveurs, elle ne marche pas. Parce que normalement, en fait, les compagnies maintenant, vous récupérez 10 de force maintenant. Si j'ai bien compris. Et on va récupérer aujourd'hui ciel, faisant ce que. Ouais, hop. Contact. Oh non! Oh non, me faites pas ce coup-là! Je peux pas récupérer. Il me faudrait, mais je peux pas me permettre d'aller récupérer. Je dois passer par deux villes pour y arriver. Et... Tant pis. Tant pis, c'est le jeu. C'est dommage, mais bon, on n'a pas le choix. Hein. Sachez que si vous pouvez récupérer Jackson, surtout. Récupérer Jackson avec la compagnie Baker, parce que là, vu que c'est la compagnie avec laquelle vous gagnez plus d'essence, avoir des Jackson, c'est juste magnifique. Hein. Vous faites un carnage sans nom. J'aurais vécu l'ennemi. Mais bon, les Sherman peuvent. Les Jackson sont utiles contre les véhicules lourds. Mais les Sherman peuvent faire le poids si vous vous débrouillez bien. Après, bon, il y a d'autres bonus qui peuvent être intéressants. Vous pouvez récupérer des Priest aussi. Vous pouvez récupérer de. Certaines améliorations pour les points. Même transformer des caches de munitions en centres de soins. Ce qui peut vraiment être pratique, je vais pas vous mentir. Vous pouvez débloquer le capitaine, les améliorations de capitaine, major, tout ça directement dans vos bâtiments dès le début. Vous avez même besoin de construire le capitaine ou major pour construire les unités dans, disponibles grâce à leur arrivée. Non, vraiment, il y a beaucoup de bonus qui peuvent être intéressants, malheureusement. Parfois. Allez les gars, c'est parti. On peut pas trop se permettre. Bon, bien évidemment, hein. Écoutez, les Allemands larguent des provisions. On doit absolument se dépêcher si on veut les récupérer avant eux. La météo entrave notre ligne de mire. On ne va pas pouvoir désigner de zone de largage. On va devoir fouiller tout le secteur pour trouver les caisses avant les boches. Bon. Il y a des miradors à proximité. Et si on peut les capturer, la hauteur nous donnera une meilleure vue sur les largages et un sacré avantage sur les boches. On va les sécuriser. Après, bon, faut les passer un mot. Donc, vu que j'ai eu le bug avec les points de réquisition, ouais, vous avez remarqué, je les ai utilisés. Donc, j'aimerais à fond l'équipe de Altrak. Hein. Maintenant, en plus d'avoir des mitraillettes, vous avez des fusils mitrailleurs. Vous avez un bar et un Browning. Ok, vous avez même des ST, vous pouvez les améliorer avec des STG-44 voilà pour qu'ils. Les STG-44 infrarouge, c'est normalement une amélioration uniquement disponible pour Robert Commando, précisément le Rebel Soldaten. C'est une amélioration qui permet aux unités, bon, elle perd un peu de puissance à haute portée, mais elle gagne de l'efficacité à moyenne portée. Et surtout, notamment des maps vides, vous ignorez toutes les couvertures. C'est-à-dire que les bonus de couverture, bah vous les avez plus avec ça. Donc c'est vraiment puissant. Bon, d'artillerie, voilà, j'ai pris des artilleries beaucoup plus puissantes, bon, normal. Et soutien blindé, j'ai pris Bulldozer Sherman parce que Bulldozer Sherman pour vous montrer. Mais concrètement, je préfère garder Wolverine que les Bulldozers. Pour une simple et bonne raison, les Bulldozer Sherman. Largage de munitions en approche!
son manque d'efficacité, tout simplement. C'est pas que c'est une mauvaise unité en soi, mais moi de là, c'est vraiment une très très bonne unité. Récupérez vite ça et dégagez. C'est vraiment une très très bonne unité, le bulldozer Sherman contre l'infanterie ennemie et les bâtiments. On a le ravitaillement Bosch. Cependant, le plus souvent, bulldozer Sherman va plus être un poids pour vous. Parce que en temps normal, vous devrez vous débloquer quand vous arrivez sur des places fortes. Là, vous affrontez beaucoup de véhicules. Là, vous affrontez notamment beaucoup de véhicules moyens, voire lourds. Et vous voyez où est le problème, je pense. Les véhicules moyens, lourds, c'est pas des véhicules que vous dégommez en 2-2, non. Surtout pas avec des bulldozers Sherman. Venez voilà par là. Ok, on se bouge. Préparez-vous à y aller, les gars. Infanterie Bosch, les ordres arrivent. Bougez-vous le cul, go. Tenez-vous prêt. En route, allez. Mais bon, c'est pas grave. Allez, on a du pot. Ok, on se bouge. Notre position de combat est maintenant équipée. Regardez par là. Préparez-vous. Largage de munitions en approche. Dans 15 secondes. Attendez. On fait des coups par là-bas. Sectionnez, préparez-vous. À couvert. Utilisez cette position. Largage de munitions en approche. Bon. Déplacement en équipe. C'est pas grave. Là, ça se passe bien. On se fait arroser là. On est descendu à 200 points. Carré. Nous avons une. Des fusiliers montés arrivent en nombre sur le champ de bataille. On attend les ordres. On a reçu des ordres. Les ordres arrivent. Les gars, pilote, fais-nous avancer. Sur cette map, avantage de mettre les deux bunkers là où je les ai mis, ça vous permet de couvrir facilement à droite. C'est. On est bon. Partons d'ici. Une facilité par la suite. Bon, après, si vous ne faites pas, c'est grave. Je peux pas me permettre de perdre qui que ce soit. Figé. Attention à votre espacement. Suivez-moi. On y va. Les gars. C'est dérangeant par contre qu'ils aient récupéré un. Fusilier monté, bien équipé et en route. Présentez-les aux Boches de ma part. Une cargaison de munitions. Allez-y, arrêtez-vous. Les ordres arrivent. Section, attention. Mais bon. C'est que je. Largage de munitions en approche. Dans 15 secondes. Attendez. On y va. Le point de capture est envahi. Accompli. Section j'ai pareil. Pour... Prenez position là. Très bien. Sortez vos engins et réparez-moi ça. Ok, on bouge. Et je suis censé faire. Largage de munitions en approche. A été coupé. Pareil. Bon. Prenez votre matos et suivez-moi. Ok, on ici, bouge. Ici, on est bon. Bah, en faisant comme ça avec un Browning, vous pouvez faire des tirs de suppression en fait. Manœuvrez et tirez. Manœuvrez et tirez. En route, allez. Venez par là. Ça sent. Mettez la Browning à l'arrière. Section en
Information, vous avez pour ordre de capturer la zone. Contact avec l'ennemi ! Infanterie en blanc ! Alors on fait notre au vol, en avant. Hé ! Tirez les bombards ! Quelqu'un à notre secours ! Bien ! Leur ravitaillement est à nous ! Oh. Arrêt à la... Qui se bouge ! Infanterie a été liquidée ! Marche une énorme. Entrez ! À couvert, à l'intérieur ! Par contre, à ce moment-là, utiliser vraiment les attaques à distance, c'est trop. Ils sont aussi améliorés que moi. Ok, on bouge. Ils en ont déjà un, lui. Waouh. Et mince, le char ennemi nous trouve la peau. Pourquoi c'est pas comme en multi? Où est ce fusil mitrailleur? Attaque une de nos positions. Attention! À l'intérieur! Allez! Courez! Remuez-vous! Préparez-vous! Comme je dis, pourquoi c'est pas comme en multi? C'est qu'en multi, vous faites le capitaine, vous débloquez les anti-chats. L'ennemi a détruit une position. Notre voie de ravitaillement a été coupée. L'arcage de munitions en approche. Dans 15 secondes, attendez! Sécurisez cette putain de position! Contact! Touchez-moi! Lancez une grenade à fusil! Grenade! Faites pas tomber la pression! Écoutez-moi, là! Continuez de tirer! L'arcage de munitions en approche! Suivez-vous vers cette position! Oh non! Par là-bas! Couez! Mais là, c'est fait exprès! Les ordres! Là, c'est fait exprès! Nous perdons un point de capture. C'est pour se moquer de moi là. Ils s'échappent à 2 PV là et. Comme par magie, à chaque fois ils me font le coup et. Je suis d'accord qu'elle coûte pas de bug, mais bon, à chaque fois que je filme, à chaque fois ils me font le coup et. On est position là. Fusil mitrailleur à l'avant, au centre. Allez, dites-leur d'avancer. En formation, mettez ce fusil. Et voilà, j'ai pris l'ambulance, génial, j'ai oublié. Ah là là. La vache. Les artilleries sont prêtes. Les tactiques de tir de barrage synchronisées. L'ennemi envahit un de nos points de capture. Go, go, go! Promotion des champs de bataille. Prenez ça. Ajustez la position. Faut quand même qu'on explique d'où il sort ce banlieue. Attention! Compris. Déplacez les chars, canon anti-char prêt. Les ordres arrivent! Repli! La position point de capture est envahie. Ça va être dur. Restez groupés. Vraiment. Préparez, courez par là-bas! Section barrée. Quoique, si je. C'est un peu fait qu'ils servent pas à microverrer leur véhicule, mais. Contact avec eux! Je coince le largage! Non! Tout est plané! Avancez, nous perdons un point de capture! On y va! Sortez! Équipage, coordonnez-vous sur la cible! Tirez tous à la suite! En route pour la capture! En formation! Nos flancs! Sergent, dirigez-nous! Ils ont fait le plan. Un point de capture est envahi. Je crois que ça, j'ai fait un peu de nettoyage. Bon jouer, les gars. Défoncé, on aura atteint ce point, Vidor doit être prêt à contre-attaquer. On envoie des fusiliers montés en nombre dans votre secteur. Ne lâchez rien. Barré, dirigez-vous vers ce point. Sécurité. Allez, on y va. Faites dans la compote, qu'ils le sentent passer. Les hommes sont par les infanterie ennemie. Notre voie de ravitaillement a été coupée. Zone sécurisée. Zone sécurisée. Les hommes, capturez cette bouchée, vous tuez. L'arcage de munitions en approche. Dans 15 secondes, attendez. Préparez-vous! Sortez de là, bordel! Allez! C'est trop facile.
L'arcage de munitions en approche. Combat est sous des tirs. Allez les filles, on rembarque. On y va. Nous avons rencontré un véhicule éclaireur Bosch. Putain, il nous reste plus que 75 points. D'accord. On a reçu. Bien reçu. Ok, on doit capturer. Si je perds cette cargaison là, je pourrais pas gagner. C'est pas plus compliqué que ça. Je vous ferai capitaine parce que je pensais pouvoir faire qu'un autre char derrière. J'ai été surpris, ça m'a foutu dans la mouise. Faut dire ce qui est, c'est la vérité. Prenez les armes, on a quelques secondes. C'est les Boches qui vont être contents. Repliez-vous, abruti. 60. Vous avez reçu vos ordres. Ouais, pas bon. Pas bon. Écoutez, on se fait plomber ici. Retour au poste de commandement. Préparez-vous à sortir. Voilà des preuves. Objectif 21. Entrez. Regardez où. Allons libérer quelque chose. L'ennemi envahit un de nos points de capture. Continuez de... Un bataillon vient d'envoyer un commandant au combat. Prêt à botter des... Prenez votre matos. On se bouge. Préparez-vous. Préparez le matos. Bon, bah, faites pas de capitaine, faites tout de suite un lieutenant, hein, vu que mes anti-chars sont avec le lieutenant. L'ennemi envahit un de nos points de capture. Honnêtement, ça, dans ce cas, le capitaine sert vraiment plus à rien. Je vais être honnête avec vous. Les Boches ont coupé notre ligne de provision. L'arcage de munitions en approche. Dans 15 secondes, attendez. Il a beau avoir deux bazookas, il sert à rien. Ici, commandant. On se repliera en groupe. En route, allez. L'ennemi attaque une de nos positions. L'arcage de munitions en approche. La plaque est ennemie. Préparez-vous aux ordres. Préparez-vous aux ordres. On est mort. On a le ravitaillement. On se fait défoncer ici. Oh, dirigez-vous vers cette position. Ils arrivent sur notre flanc. On se déplace. Impeccable. Ça a marché. Vous avez cette cible, les 105. Batterie. Feu. Préparez-vous. Les Boches s'emparent de l'arme-point. A été coupé. En avant! Parez-moi ça, vite! Les soldats, restez groupés. On avance. Préparez-moi ça au déplacement. Vous ne pouvez pas se permettre de traîner. Continuez l'attaque. La guerre. Section en formation. Vous avez pour ordre de capturer la zone. On se fait plomber ici! Repli! Préparez-vous. On a reçu des ordres, sergent. Tout est ok. Toutes les zones clés sont dégagées. Les Allemands se retirent. Je joue comme un pied, par contre. L'arcage de munitions en approche. Dans 15 secondes. Attendez. On y va. Et ramenez cette Browning ici. Position sécurisée. Déployez-vous. Bon, pas facile. J'ai trop mal joué. Faut dire ce qui est... J'ai pas fait attention, je me suis dit que c'était quand même multi, mais non, j'ai oublié cette... Bon, j'ai perdu que 6 points de force, mais bon, j'en ai perdu 6-2-3 à mon goût. Par contre... J'ai un gros coup de bol. Personne s'est replié ici. Donc ici, clairement, ça sert à rien. Je vous le dis tout de suite. Tout ça, ça me sert à rien.
je vois pas trop l'utilité. J'en ai pas trop l'utilité. Vu qu'à seule mission où on avait utilité celle où on n'a pas au début de. Ouais, je vais vérifier un truc quand même. Ouais, ils ont pas. Donc ma mise à jour n'a pas eu lieu, c'est pas grave. La seule utilité en fait des réquisitions de compagnie, c'est la mission où vous n'avez pas vous avez tous les 6 minutes des renforts de réquisition. C'est la seule utilité que vous avez, sinon normalement vous n'aurez pas besoin. Parce que vous utiliserez tellement de grenades que vous ne pourrez pas vous permettre. Ça devrait le faire. Donc on va s'arrêter là. Je m'excuse de ma piètre performance. Nous attaquerons après à la périphérie de Bastogne. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à une prochaine fois. D'ici là, portez-vous bien. Et à ciao tout le monde.